Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu, soutenir à fond cette vidéo. Donc je compte vraiment sur vous. Je vous laisse sur le gameplay. J'espère que ça vous plaira les amis. Et je vous dis à tout de suite. Poussa. Yo les gars, on se retrouve sur le mode expédition. Du coup, c'est vraiment, j'ai pris vraiment mon temps avant de vous balancer cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Voilà, moi je tenais à vous dire que ce jeu là, il avait un charme génial, qu'il envoie vraiment, il envoie le, comment on dit, le pavé dans la gueule quoi. Du coup voilà, je tenais vraiment à vous partager ces quelques images qui m'ont vraiment plu. Partager mon expérience sur le mode expédition qui était genre 50 000 fois mieux que Match à mort. Je dis pas que Match à mort est dégueulasse, c'était pas ce que je recherchais, parce que moi je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, ce qui me plaît c'est, j'adore le jeu de shoot, je dis pas le contraire, mais là je cherchais ce que j'ai trouvé, ce que je cherchais quoi, c'était un mode aventure un peu expédition avec des joueurs, avec des gens, tu peux même inviter 3 personnes. Bon, je l'ai pas encore fait. Là, pour l'instant, c'était. Pour l'instant, c'était. Comment ça s'appelle, c'était un mode solo, quoi. Enfin, j'ai découvert le jeu en solo, en mode. Voilà, loup solitaire, comme on dit. Hein. Allez, donc, je vous envoie un petit gameplay là. Regardez, c'est un moment où je survis face à un ennemi. Et, c'était la première fois que je m'en sors comme ça. Là, comme vous pouvez constater, je suis tombé sur un largage de ravitaillement. Donc je trouvais ça vraiment stylé avec la musique de Noël et tout. Je trouvais que ça avait vraiment de la gueule. Donc, du coup, voilà, je vous laisse face au gameplay, les amis. Père Noël, gros. Ah ouais, il a la TA. RR. Vas-y, gros. Prends le larcage, là. Putain. Je vais crever. C'est le colis du Père Noël. Je vais crever. Putain, je suis en train de crever. Ah merde. Je suis tué. Je vais crever là. Donc dans le gameplay que vous allez voir dans une seconde, après cette vidéo, c'est...
Le largage, j'ai pas capté, il tombe où? Donc voilà, comme vous avez pu constater, c'était du sale. Donc je me suis après caché dans un endroit en mode pas tricard pour pas me faire. Voilà, et c'était, j'avais ces armes, Grease Gun, VZ58, la meilleure arme du jeu. Enfin, en tout cas, jusqu'à. En ma connaissance, en tout cas. Franchement, dinguerie. Là, je suis en train de découvrir qu'il y a des choses. Je peux me redonner de la vie, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Pour un free-to-play, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Donc aujourd'hui, les free-to-play sont mieux que les jeux à 70 € qui sortent en ce moment, quoi. Donc, c'est plutôt. Elle fait autant qu'elle fasse autant mal. Donc, je vais tomber sur le gars, lui, il va me voir avant lui. J'ai oublié de vous dire, mais à ce moment-là, vous voyez que je tombe sur le mec. Je le vois de loin en fait. C'est vrai que je l'avais vu avant. J'ai complètement zappé, mais après, je vais pas le voir. Vous allez voir juste après, je vais pas le voir. Et lui va me voir. Je pensais pas. Donc je vais un peu tourner dans la zone jusqu'à un moment où je vais retomber encore. Je suis toujours au même endroit, hein. Je reste un peu dans la zone et je vais tomber sur un mec. Donc j'ai plus de balles dans le flingue, je change d'arme. Et là, bim, avec le Thompson de l'ennemi que j'ai tué juste avant. Et il s'avère que le Thompson, je vais pas le garder avec moi. Et ça va être. Ça va pas être. Voilà. Je vais prendre des deux VZ58 pour moi qui sont, comme je vous ai dit, c'est la meilleure arme. Et j'ai bien fait parce que au final, j'ai perdu les deux. Parce que, bon, vous verrez la suite. Ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Ouais, il s'est passé. J'ai fait une douzaine d'expéditions. Du coup, là, vous avez à peu près. Vous allez en avoir quelques-unes. Je pense pas que vous aurez tout. Mais je vais essayer de vous. Je vais essayer de tout vous envoyer sur le gameplay, les gars. Donc cette map, hein, faut dire qu'elle est magnifique aussi. Donc du coup, les gars, on se retrouve sur la même map en même journée. Donc je vous avais dit qu'il s'était passé quelque chose dans cette map après aussi. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, c'est 2 jours. Vous avez vu, c'est en plein milieu de la map. Il y a une sorte de bunker géant. Je pense que c'était pour protéger à l'époque de la guerre. Donc c'était tout fait de béton et tu es bien protégé quoi. Donc vraiment je trouve vraiment sympa sympa comme tout ce jeu. Donc là je vais tomber sur deux circuits de deux électricités qu'il faut allumer. Donc je vais voir que ce coffre-fort, je peux pas l'allumer, je peux pas l'ouvrir tant que j'ai pas actionné les deux
les deux interrupteurs et après je vais pouvoir l'ouvrir et je vais récupérer pas mal de balles, pas mal de choses super intéressantes. Donc du coup, je vais sortir de ce bunker et je vais entendre une alerte. Et du coup, voilà, je vais aller voir ce qui se passe et je vois une explosion. Du coup, je patiente un peu. Voilà, je reste un peu patient et tout en étant protégé, je me protège, je continue, j'avance. Et à un moment, je vais capter qu'il y a un ennemi au fond. Donc je sais pas s'il m'a vu. Du coup, j'avance. Je l'ai pas encore vu moi apparemment parce que je le vois là dans l'image. Mais il m'a pas encore vu, donc moi je vais le voir à un moment où il va pas me voir. Vous allez voir ce qui va se passer, ça va être juste génial. Donc ce qui est bien, c'est qu'il existe la map. Là il me voit pas. Vous voyez, et après je vais tirer dessus. Voilà. Et comme je disais, ce qui est bien, c'est cette map qui a le côté nuit que vous avez vu, le côté jour. Et donc on dirait que les gars ils peuvent balancer comme dans Call of des missiles et des trucs comme ça. Je sais pas si c'est quoi, je suis pas encore trop au courant. C'est trop chaud. Mais faut pas oublier que le jeu est sorti depuis déjà un bon moment, qu'il y a des gens qui squattent déjà. Voilà, c'est vraiment sympa en tout cas les gars. Je fais des beaux kills, je me suis vraiment amusé. C'est du beau gameplay que je vous montre et je suis vraiment fier de vous le montrer en tout cas. Donc là on va entendre le largage de ravitaillement. C'est justement dans cette game je vous parlais que ben, à un moment le gars il va récupérer le largage et j'aurai pas le temps parce qu'il sera déjà trop loin. Parce que le largage de ravitaillement il est hyper long dans la map. Et je vais courir tout le long comme un con jusqu'à l'autre côté comme un dératé. C'est pour ça que je vais pas vous le montrer. Que je vais vous montrer la suite du gameplay les gars. Apparemment, oula, oh ouais, carrément des plans. Des plans d'armes et tout. Mais vraiment, ils ont fait le taf. T'as 5 genres de couteaux, plusieurs sortes de snipers. Vraiment, ce jeu donne envie. Hein? Carrément. Donc ce qui est super intéressant franchement c'est l'endroit où tu t'entraînes et pour ton shoot et tout, c'est vraiment sympa et tu gagnes pas mal de médailles et tout, c'est vraiment sympa les gars. Je disais ouais, il y a des fusils à pompe, à tout, tu peux tout débloquer. En expédition il faut que tu d'abord que tu trouves les armes, une fois que tu as les armes tu peux t'entraîner chez toi quoi, dans ton abri bien au chaud. Et franchement c'est vraiment intéressant. Tu gagnes des médailles, tu dois faire le meilleur temps. Et je trouve ça vraiment sympa. Le moment où j'ai le plus galéré, c'est la MP5. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai fait pas mal d'armes. Hein. Mais là, vous allez voir, c'est vraiment hardcore. Je vous laisse un gameplay tout de suite. Allez. Mouah. Sharpshooter trophée obtenu. Oh putain, là je suis content, je suis content. J'ai eu un trophée avec ça, frère. Ah, putain, oh, c'était dur. Puis j'ai fait mieux que 15, j'ai fait 14,65. Ah, j'ai débloqué cette couleur aussi. Je sais pas si ça s'appelle comment ça. Ça aussi, les gants. Fabriquer. Je peux fabriquer un plan leurre pour faire un leurre, c'est stylé ça. Raya, rare visage. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vais retourner dans les trucs. Visage, non, c'est pas là. Tête, peut-être. Alors, c'est sûr que c'est dans les casques. Hein. C'est bizarre, hein, je trouve pas. Donc les gars, vous allez voir que dans cette map, c'est extrêmement chaud ce qui va se passer.
Je vais me battre, si je dis pas de conneries, je vais me battre avec des personnes. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal évolué mon personnage. Et c'est ça qui est sympa. Donc là, le mec, j'ai carrément le masque de Freddy sur la tronche. Avec un blouson un peu marron foncé. Vraiment stylé. Donc là, je vais tomber sur le largage de ravitaillement. C'est juste une dinguerie. Et je vais essayer de l'attraper cette fois-ci. Vous allez être surprise, on va savoir ce qui va se passer, les gars. Donc voilà les gars, comme vous avez pu le constater, le gameplay était sale et j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait 3 kills ensuite dans ce game là. Et puis c'était juste une dinguerie, vraiment amusant en tout cas ce jeu, je vous conseille vraiment de le faire les potos. C'est hyper sympa. Voilà, en espérant que ça vous a plu les amis. Je vous fais un gros big up. Allez les gars, du coup on termine cette vidéo avec un dernier gameplay que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, vous savez bien que tous ces gameplays que je vous ai montrés, je ne les ai pas fait en un seul mois. Évidemment, Papy Ed prend un peu de temps pour faire, prend son temps d'ailleurs même, pour faire ces vidéos et faire ces gameplays évidemment, apprécier à fond ce qu'on fait. Donc je vais vous montrer pour la première fois aujourd'hui, j'ai récupéré un largage de ravitaillement qui était vraiment pour la première fois, donc c'est pas facile dans ce jeu de récupérer des largages de ravitaillement. Mais pour la première fois, je vais récupérer un largage de ravitaillement qui est juste qui est censé être dans cette zone de largage. Donc je sais pas ce que ça va donner, du coup, vous allez voir. Il y a un moment où je vais tomber sur un mec qui va, enfin ça va spawn un mec qui est en train de voler un largage, donc apparemment il aurait trouvé un autre largage de ravitaillement, donc on est en mode surprise et découverte dans ce jeu, apparemment toujours des nouvelles choses qui sortent. Du coup vous allez voir ce gameplay, c'est juste une dinguerie. Je vous laisse regarder les potos, je vous mets le meilleur moment, bisous à tous, c'est le dernier gameplay. The plane is incoming.
beware of the drop zone. It will be dangerous. Donc vous allez voir, là c'est la fin du gameplay, du coup vous allez voir que j'ai le largage de ravitaillement et je vais me faire tirer dessus et je vais essayer de survivre le poteau. Regardez bien. Donc je décide d'arrêter de courir et essayer de me protéger et de tirer sur lui. J'ai juste pas le choix en fait. J'ai juste pas le choix. Je survive. En fait. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai réussi à le shooter le mec et terminer la game en paix. Je retourne au refuge et je sauve ma vie avec le largage. Comme convenu, cette fois-ci, j'ai réussi. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ça. En tout cas, moi je fais mon maximum pour vous faire des vidéos de qualité. En termes de, que ce soit en termes d'image. Bon, là j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai des petits soucis au niveau de mon laveur média, boîte d'acquisition. Donc voilà, moi en tout cas, je donnais mon max et j'essaie de vous partager les meilleurs moments de gameplay, même si la vidéo est un peu longue. Voilà, je donne mon maximum. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Et gros bisous à tous, prenez bien soin de vous. Bon courage, passez de bonnes fêtes les potos. Salut à tous.